Sergueï Lavrov à la Maison-Blanche, une première alors que les relations entre la Russie et les États-Unis n'en finissent plus de se tendre. Pas d'images filmées, seulement des photos et un communiqué de la présidence expliquant que Donald Trump a exhorté la Russie à contenir ses alliés en Syrie pour trouver une solution au conflit. De son côté, Sergueï Lavrov a estimé qu'il y avait du mieux dans la relation avec Washington. Actuellement, notre dialogue est exempt de l'idéologie qui était caractéristique de l'administration Obama. L'administration de Donald Trump, le président lui-même et le secrétaire d'État sont des personnes d'action, comme cela m'a été prouvé une fois encore aujourd'hui. Ils veulent trouver un accord pour résoudre les problèmes concrets. Le ministre russe a aussi rencontré son homologue américain Rex Tillerson, avec qui il a évoqué la Syrie, mais aussi la lutte contre l'État islamique et l'Ukraine, autant de sujets qui divise, mais les deux puissances misent désormais sur le pragmatisme pour repartir du bon pied.